Have you ever felt? Salut la familia, aujourd'hui c'est plus une vidéo annonce pendant que je me coiffe. Alors déjà le 21 février dernier, donc il y a quelques jours, j'ai coupé 3 cm de cheveux parce que mes cheveux en avaient vraiment besoin. Je vous ferai un long check dans la prochaine vidéo. Donc ici à gauche, c'est ce que j'ai coupé. Et à droite, c'est ce que je coupe d'habitude. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une différence. Et je voulais aussi vous dire que bientôt, très bientôt, Brittany et moi allons lancer des produits capillaires faits maison. Donc, voici une partie des ingrédients que nous testons depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et je pense que finalement, les formules définitives sont presque prêtes. Et ici, bien évidemment, pour mes soins, j'ai utilisé uniquement mes produits. Voici un petit aperçu de ce que j'ai utilisé. Ici sur la photo, je n'ai pas mis mon shampoing, je n'ai pas mis le masque et tout. Donc là, c'est juste le sérum de croissance. De gauche à droite, le sérum de croissance, la crème capillaire et la synergie d'huile. Donc ça fait 6 semaines en fait aujourd'hui que je teste ces prototypes là. Et je peux vous dire que je sens vraiment une différence sur mes cheveux. Donc comme ça, à partir de maintenant, on va pouvoir suivre l'évolution de mes cheveux sur la chaîne. Et ici, les deux nattes que j'ai devant, en fait, c'est parce que je fais un traitement spécial sur cette partie de mes cheveux, vu que les cheveux sont assez fragiles à cet endroit et mes cheveux sont... Vous voyez, j'ai beaucoup de petits cheveux, donc j'aimerais qu'ils poussent, en fait, et avoir plus de volume. Donc aussi, Brittany et moi allons organiser un événement ici au Cameroun en début avril, donc autour du peut-être du 10 avril ou peut-être un peu avant. Et les produits seront disponibles. Et ne vous inquiétez pas, le rapport qualité-prix sera au rendez-vous. Donc je ne vous en dis pas plus, affaire à suivre. Donc ici, j'ai attendu une heure de temps pour laisser mes cheveux prendre du volume parce que vous savez que bon... Les twist-outs, quand on fait des twist-outs, c'est d'abord un petit peu plat et avec le temps, l'air et tout ça, ça prend du volume. Et ici aussi, ah oui, j'aimerais que toutes celles qui sont au Cameroun, en fait, m'envoient un mail parce que je vais constituer un groupe spécial challenge et j'organiserai des rencontres pour vous faire tester les produits en exclusivité. Donc, je suis sûre que vous ne voulez pas rater ça. Donc, envoyez-moi un mail. Et ici, vous pouvez voir que mes cheveux sont super fluides, super légers. Et je tiens à préciser que je n'ai pas étiré mes cheveux après mes soins. Donc, j'ai directement fait des vanilles. Et deux jours après, voici le résultat. Alors, ici, c'est le lendemain. Et la veille au soir, j'ai fait 10 nattes libres pour des braids. Et voici ce que j'ai le lendemain. Donc, plus le temps passe, plus les cheveux vont prendre du volume. Et bien sûr, il va avoir moins de définition, mais c'est justement comme ça que je préfère mes cheveux en fait. Donc ici, je suis habillée en sport parce qu'en même temps, je suis en train de vous tourner un haul sport. La vidéo vous viendra après, donc juste pour que vous sachiez. Donc voilà, en gros les filles, ne vous découragez pas parce que je me suis rendu compte que suite à la vidéo de Brittany, qu'elle a faite sur « J'en ai marre, je veux défriser ». Et on a reçu beaucoup de messages de filles qui sont désespérées, qui sont découragées par leurs cheveux. Mais j'ai envie de vous rassurer aujourd'hui et de vous dire que la sécheresse n'est pas un type de cheveux, mais c'est un problème capillaire. Et nos produits s'engagent fermement à résorber ce problème-là, en plus de vous apporter du volume, de la pousse, de la légèreté et tout, tout, tout. Donc patience les filles, encore quelques semaines. Donc voilà les filles, sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc à la semaine prochaine pour le line check, ok? Pour le line check et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la portée du temps. Bye!